Divya! Divya? 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 Est-ce que tout va bien? Divya? Divya? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si inquiet? Est-ce que tu es sûr, Amar, que tout va bien? Non, je... En fait, je t'ai vu immobile et j'ai pensé que... Tu m'as vu immobile et tu as cru que j'ai eu un malaise, mais... je n'étais pas à l'aise, alors j'ai voulu sortir un peu de la chambre. As-tu pris ton traitement? Oui. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas bien? Mais non, assis-toi, arrête, assis-toi. Arrête de t'inquiéter, Amar. J'ai quelques absences, mais ce n'est pas grave du tout. Tu es incroyable. Tu t'inquiètes toujours pour un rien. Est-ce que ça va? Je vais extrêmement bien. Amar. Je sais pertinemment que... Tu es en colère contre moi. Mais tu ne peux pas me cacher ton inquiétude à mon sujet. Ce qui prouve que tu m'aimes énormément. Je sais à quel point je suis la personne à laquelle tu tiens le plus. Tu prends soin de moi avec tellement d'affection. Tu vérifies si je prends correctement tous mes médicaments à l'heure, pour que je guérisse. Et malgré ton inquiétude, est-ce que tu n'es pas touché que je remarque chaque jour ton attention à mon égard? Pourquoi est-ce que tu restes si loin de moi? Je ne peux pas supporter d'être loin de toi, Divya. Je ne suis absolument rien sans toi. Je t'aime tant que... Même si je le veux... Je ne peux pas rester en colère après toi trop longtemps. Je ne peux pas, mon amour. Alors pourquoi, Amar, as-tu soudainement arrêté de me parler? Tout simplement parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as demandé. Je ne le ferai pas, je ne veux personne d'autre. Pourquoi me mets-tu à l'épreuve, Divya? Pourquoi? Assez, arrête de parler. Divya, pourquoi me mets-tu Assez. À l'épreuve? Pourquoi est-ce que tu me rends responsable? Amar, tu sais que je t'aime profondément. Et je t'ai promis que mon amour pour toi ne cessera jamais et que mon âme sera toujours là pour te protéger. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour te persuader que j'ai eu raison d'agir de la sorte? Il arrivera un jour où tu comprendras que j'ai pris la meilleure décision qu'il fallait prendre. Gori? Oui? Apportez ses affaires par ici. Ne vous dérangez pas, je pourrai tout faire. Je vais les prendre. De plus, je ne veux pas que vous touchiez aux affaires qui sont sacrées. Gori, s'il vous plaît, faites simplement ce qu'on vous demande. Vous n'êtes qu'une invitée ici, alors comportez-vous comme telle. Voyons, n'essayez pas de vous lier d'amitié avec notre famille. Mohan, venez ici.
Amar ? Te voilà. Bonjour, Gaori. À vrai dire, je vous cherchais. Où étiez-vous passé ? Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous l'air tellement triste ce matin? Non, rien, Divya. En fait, je suis un peu fatiguée, je pense. Tu peux le voir sur mon visage, mais c'est tout. Je suis certaine que vous devez être fatiguée. Vous travaillez dur nuit et jour. Divya, il est déjà tard. Tu dois te reposer. Tu as bien fait de venir. J'allais moi-même venir te voir. Bharat, as-tu fini les préparatifs du mariage? Et surtout, n'oublie rien. Fais tout selon les traditions. Le collier nuptial d'Aditi... Oui, il a bien été livré. Je suis heureuse de voir que mon fils se comporte d'une manière responsable et remplit ses devoirs. Que se passe-t-il? Rien. Tout va bien. Il n'y a rien que je puisse dire ou faire afin de te convaincre d'annuler ce mariage. Maintenant, j'ai quelque chose à faire. M'occuper des préparatifs pour mon départ. Ton mariage est prévu pour 8 heures et c'est également l'heure de mon train. Je quitterai la maison vers 7 heures. Au moment où tu échangeras tes vœux, je serai sur le chemin du retour. Je ne veux pas que vous touchiez aux affaires qui sont sacrées. Faites simplement ce que l'on vous demande. S'il vous plaît, faites simplement ce qu'on vous demande. Vous n'êtes qu'une invitée ici, alors comportez-vous comme telle. Voyons, n'essayez pas de vous lier d'amitié avec notre famille. Divya, il est déjà tard. Tu dois te reposer. Mon Dieu, chacun me regarde durement dans cette maison. J'ai l'impression qu'ils m'accusent de leur avoir volé leur bonheur.
je pense également que... il n'est pas convenable que je reste ici. Le bonheur d'Amar et de Divya est menacé par ma présence. Mais il n'y a rien que je puisse faire, je le sens. En fait, Divya m'a accepté contre l'avis de sa famille, comme la seconde épouse de son mari. Elle a fait un grand sacrifice pour m'accorder officiellement les droits qui sont les siens. Je me demande bien pourquoi elle fait ça. J'ai l'impression qu'elle a besoin de moi, elle a besoin d'aide. J'ai l'impression qu'elle désire mon aide, sinon elle ferait pas ça, je pense. J'ai l'impression qu'elle veut me dire quelque chose, mais qu'elle n'y arrive pas. Hier, elle a mentionné un prétexte personnel, mais elle ne s'est pas expliquée. Tout cela me trouble énormément, vous savez. Seigneur, aidez-moi, je vous en prie. Répondez-moi. Divya a-t-elle vraiment besoin de mon aide? Dois-je rester ici? Je veux que vous sortiez de la vie de Bharat. Laissez mon fils tranquille. M'écouterez-vous? Aditi? Aditi? En fait, je vous cherchais dans toute la maison pour pouvoir vous donner ces produits de beauté. Que se passe-t-il? Expliquez-moi, s'il vous plaît, ce que vous faites ici. Divya, une femme aime se maquiller uniquement quand son mari est heureux. On ne peut faire un mariage heureux sans le consentement de sa mère. Aditi, aujourd'hui, c'est votre mariage. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureuse? Vous avez pourtant la chance d'épouser la personne que vous aimez. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir épouser l'homme que l'on aime. Vous avez une chance inouïe. Alors souriez-moi un peu. Je ne peux pas être heureuse. Alors que je sais que la mère de Bharat ne donnera jamais son consentement. En fait, elle ne va même pas assister au mariage. Vraiment, comment pourrais-je sourire alors que ma belle-mère refuse de m'accepter, Divya? Je ne peux rien faire pour arrêter mes larmes. Bien sûr que si. Écoutez-moi. Les peines font partie de la vie et c'est le moyen de Dieu de nous montrer le bonheur qui nous attend. S'il y a quelque chose que je peux vous promettre, c'est que votre belle-mère assistera au mariage
et pourra vous donner sa bénédiction. Et elle en sera très heureuse. Mais comment cela est-il possible? Soyez patiente, Aditi. Je connais très bien Bharat. Son amour pour sa mère ne sera pas vain, j'en suis sûre. Il saura empêcher son départ, croyez-moi. Divya, ma vie est si triste quand je suis loin de toi. Je t'aime tant que, même si je t'en veux, je ne peux pas rester énervé longtemps. Alors Amar, pourquoi? Est-ce que tu as cessé de me parler? Parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as demandé. Divya, tu m'as pris dans tes bras et m'as serré si fort. Comme si tu ne voulais pas me laisser partir. Comme si tu voulais que ce moment dure éternellement. J'avais envie de t'enlacer. Tellement fort, Amar. On ne connaît pas l'avenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Divya, mais que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qui sait quand nous aurons le temps de nous enlacer? Quelqu'un doit venir me voir et je serai très occupée avec les préparatifs. Et je me demande quand je pourrai me noyer dans votre amour. Le mariage n'aura pas lieu, mère. En fait, il n'aura pas lieu de la même manière que les autres mariages. Compte tenu de votre absence, ce mariage sera célébré sans la ferveur et les célébrations habituelles. Et vous pouvez bien imaginer à quoi pourra bien ressembler ma vie si je me marie sans votre consentement. Tu sais pourquoi j'agis ainsi. Alors, Bharat, pourquoi me parles-tu ainsi ?
Que dois-je faire, mère? Que dois-je dire? Vous m'avez toujours tout donné, sans hésiter. Mais aujourd'hui, je demande votre bénédiction. Ma mère biologique est celle qui m'a mise au monde. Elle n'a fait que me donner la vie. Elle a certes comblé toutes mes attentes et mes besoins, mais elle n'a pas pu m'apporter l'amour d'une mère. C'est vous qui m'avez donné cet amour, et sans hésiter, vous m'avez toujours inondé de votre amour. Et maintenant que je demande votre bénédiction, pourquoi ne puis-je pas la recevoir? Vous avez depuis toujours comblé toutes mes attentes et tous mes besoins. Pourquoi restez-vous si insensible? Je vous en prie, mère. Je vous en prie, laissez-moi épouser Aditi. S'il te plaît, laisse-moi épouser Aditi. Si je ne peux pas être avec Aditi, je vais... Karuna, nous savions que tu accepterais pour le bien de Bharat. Nous sommes très heureux que tu aies accepté ce mariage. Il y a une surprise pour toi. Je vous avais bien dit que Bharat réussirait à convaincre sa mère. Votre confiance est récompensée et votre amour a vaincu. Karuna, merci beaucoup. Thank you.
Je vous déclare mari et femme. Soyez heureux. Aditi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleurez-vous? Puissiez-vous être heureux à jamais? Sans vous deux, ce mariage n'aurait jamais eu lieu. Oh, oublie tout ça. Félicitations. Gauri, pourquoi est-ce que vous ne les félicitez pas? S'il vous plaît. Bien sûr. Félicitations à vous deux pour votre mariage. Merci, Gauri. Entrez, Gauri. Je vous en prie. Je suis venue te rendre tes vêtements et tes bijoux. Ce n'était pas si urgent. Vous auriez pu me les rendre demain. À vrai dire, ils sont très précieux. En plus, ils ne m'appartiennent pas. Ils sont à toi, je ne pourrais pas les garder avec moi. Divya, où est ma serviette? Amar? Amar, pourquoi tu es si grossier envers Gauri? Tu ne lui parles pas. Tu ne la regardes même pas. Pourquoi fais-tu cela? J'aimerais comprendre. Pourquoi est-ce que je la regarderai? Pourquoi devrais-je lui parler? Qui est-elle, Divya? Elle vit ici uniquement parce que tu as insisté. Je te l'ai accordé. Mais maintenant, il ne faut pas en demander plus, Divya. Ça suffit. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce la faute de cette pauvre fille? Elle n'est pas démunie. Dis-moi, que devrais-je faire pour comprendre sa détresse? Je ne comprends pas ce qu'elle fait encore ici. Elle est là malgré qu'on lui ait demandé de partir. Est-ce que tu t'attends à ce que je passe du temps avec elle? À ce que je partage ma vie avec elle? N'y compte pas. Oui, c'est ce que je veux. Tu vas devoir t'habituer à vivre avec Gauri. Tu vas devoir
passer ta vie avec elle. Fais-le. Comment vais-je surmonter cela, Seigneur Shiva? Je vous prie de me montrer la voie à prendre. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais sur le point de retourner dans ma chambre. Ce que je veux dire, c'est pourquoi... Pourquoi vis-tu encore dans ma maison? Pourquoi es-tu encore ici? Tu connais les circonstances qui m'ont poussé à t'épouser. Maintenant que tu connais la vérité, qu'est-ce que tu fais encore là? Ne comprends-tu donc pas que j'ai une famille, que j'ai une femme et qu'elle attend un enfant? Si elle continue à te voir ici tous les jours, que va-t-elle penser? Assez. Ça suffit, Gori. Quitte cette maison, s'il te plaît. Je t'en supplie. Éloigne-toi de ma famille, de ma vie et de ma femme. S'il te plaît. Je te le demande. Gauri, entrez. Venez. Je pensais que tout le monde était endormi. Dieu est grand. Et à chaque fois que... C'est étrange que nous soyons, vous et moi, ici à cette heure, dans le temple de Dieu. Je sens qu'il doit y avoir une raison à cela. Oui, Divya. Il y a une raison. Je suis venue te dire que... je ne peux pas continuer comme ceci. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je n'en peux plus, c'est vrai, je te promets. Je ne peux pas rester ici. Qu'est-ce que vous dites? C'est le Seigneur Shiva qui vous a emmené ici. Il faut persévérer. Il faut retrouver toutes vos forces. Mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de forces? De quoi parles-tu? Comment puis-je continuer à faire de la peine à tous les membres de cette famille? Et vous voir souffrir tout le temps à cause de moi? Je ne peux pas continuer à vivre ici pour rendre tout le monde malheureux, tu comprends? Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Gauri, sachez que ma vie ne peut pas être au plus bas en ce moment. La destinée a fait
que ma vie soit malheureuse. Il ne me reste plus rien. Vous pensez peut-être que je serai heureuse avec Amar une fois que vous serez partie une fois pour toutes de cette maison. Mais cela, c'est impossible, Gauri. Est-ce que tu t'attends à ce que je passe du temps avec elle? À ce que je partage ma vie avec elle? N'y compte pas!